Salut, salut! On se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque j'avais envie de vous présenter un petit peu les cadeaux que j'avais reçus à la naissance de mon fils Oran, qui est né du coup le 7 avril. Et c'est pas une cadeau pour... c'est pas une vidéo pour exposer tout ce que j'ai reçu, mais c'est plus une vidéo pour vous donner des idées cadeaux pour les naissances, parce que je trouve que c'est difficile des fois pour une naissance de trouver des idées cadeaux, mis à part des vêtements. Bon, moi j'ai reçu beaucoup de vêtements, mais il y a des petites choses aussi des fois qui sont originales et qui peuvent faire plaisir aussi aux mamans. Donc ça peut vous donner des idées pour des futures naissances. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo accouchement, je vous la mets par ici. Vous pourrez savoir comment s'est passé mon accouchement. Et puis voilà. Donc on commence tout de suite par, bien sûr, j'ai reçu des vêtements. Pendant après une naissance, souvent on offre des vêtements, c'est toujours sympa. Et du coup, j'ai reçu aussi des cadeaux pour moi, des cadeaux pour Kayla. Alors je vais pas vous montrer tous les cadeaux que Kayla a reçus parce que c'était aussi son anniversaire en même temps. Je vous renvoie vers la vidéo vlog anniversaire où on voit un peu ses cadeaux d'anniversaire, etc. Et voilà, je vous montre tout ça, j'avais envie de vous les montrer et j'avais envie de vous partager ces idées cadeaux. Et après j'avais envie de les ranger surtout. Donc par mon amie Nora qui a eu un Instagram et une page Facebook qui s'appelle Mama au Créa Shop, puisqu'elle fait plein de petites créations maison qu'elle vend sur sa boutique en ligne. Je vous invite à aller la rejoindre, je vous mettrai en barre d'infos les liens si ça vous intéresse. Elle a eu ce petit nuage en wax, en fait, en tissu wax, tissu africain pour Oran. Donc c'est trop mignon, hein. Voilà, ça ira dans sa chambre. Kayla, moi je lui avais déjà commandé à ma copine un petit nuage comme ça, tout rose, avec écrit Kayla. Vous avez dû le voir dans une vidéo il y a au moins un an et demi, deux ans. Du coup voilà, je suis contente que Oran ait le sien, donc ça c'est juste trop bien. Et alors elle a fait un truc quand même qui est juste super sympa, qui est une trop bonne idée. Si vous êtes manuel et que vous savez broder, je trouve que c'est une super idée. Elle a acheté des petits vêtements, voilà, pour offrir à mon fils, et elle a fait de la broderie dessus. Et regardez, donc là c'est un petit haut bout de chou, donc c'est de Monoprix. Et regardez, regardez-moi ça. Elle est trop belle, sa broderie, avec écrit donc le prénom de mon fils et un petit bateau en dessous. Je trouve que c'est une superbe idée. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est personnalisé à souhait. C'est trop une bonne idée. Donc encore merci Nora, c'est juste trop bien. Et avec ceci, elle a mis un petit short, voilà, pour cet été. Alors je vous avoue que Oran a beaucoup de shorts, puisque même moi dans les magasins j'ai eu beaucoup de mal à trouver un pantalon. Là comme c'est la saison estivale dans les magasins, du coup ils ont mis des shorts partout. Donc bon. Et là c'est du 6 mois, donc voilà, pour cet été, fin de l'été, pour septembre, octobre, ça va être très bien. Genre il est trop beau ce petit, voilà, c'est trop une bonne idée. Merci Nora, c'est une super idée, je vous invite donc à aller la rejoindre sur Mamao Créa Shop. Ensuite, j'ai reçu par une amie qui s'appelle Mathilde aussi des vêtements de chez Tape à l'œil. Donc des petits hauts comme ça, hyper flashy mais hyper sympa pour l'été. Donc c'est du 6 mois aussi, ça va être pour cet été je l'espère. Donc celui-là est trop mignon, et un autre petit lot un peu plus pour peut-être septembre, octobre. Voilà, toujours avec des petites couleurs, une petite marinière un peu flashy comme ça, trop jolie, avec écrit Happy Jungle. Et sur le premier, il y avait écrit Be Strong, et il y avait une bouteille de lait, moi je trouve ça trop mignon aussi. Elle trouvait ça trop original. Donc voilà, c'est une super idée comme vêtement aussi. Niveau vêtements, alors vous avez vu, j'avais reçu dans une vidéo boîte aux lettres des cadeaux de la part de Pascal de la chaîne Mademoiselle Evony ou Divasland, je sais jamais, ils ont un pseudo de chaîne. Mais voilà, elle avait offert donc un petit haut comme ça de Lee Cooper qui est trop beau, une petite chemisette comme ceci, trop belle aussi, et un short. Donc voilà, parfait. Je peux vous dire que là mon fils il est rhabillé aussi. Et il a reçu aussi mon beau-frère, une petite tenue comme ça de chez Primark, une petite chemise trop jolie, ça c'est vraiment le style que j'aime beaucoup pour un garçon, une chemise un peu comme ça, trop jolie, c'est du 6 mois hein, d'ailleurs, et un petit short blanc, très sympa aussi. Alors je vous montre le derrière, mais c'est le devant, voilà, donc qui va un très bel ensemble. Alors, d'une amie à mon mari qui s'appelle Aurore, il a reçu un petit short tout blanc comme ça, trop mignon.
avec le haut marinière comme ça de chez Kiabi, très très sympa aussi. Et par une autre amie et qui a fait le tour du monde en un an, enfin une bonne partie de plein de pays, qui s'est pendant un an à voyager, elle a ramené voilà pour Oran du Pérou un petit bavoir. C'est genre le bavoir le plus original du monde. C'est une super idée, voilà, il est trop 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 sympa. Je sais même pas si on osera l'utiliser parce que je trouve que ça serait dommage de le salir avec des taches de lait ou je sais pas quoi. Mais il est trop trop sympa, c'est une super idée. Par ma maman, il a reçu un petit nounours, un gros nounours, hein, avec des gros yeux là. Vous savez, je crois que c'est à la mode ces petits trucs-là. Donc très sympa. Ma maman n'avait pas trop d'idées et de toute façon, elle va lui acheter des vêtements, ça c'est sûr. Mais du coup, elle voulait aussi lui ramener un petit truc à la maternité, donc elle lui a acheté un gros nounours. Par mon amie Clémence, je vous en parle beaucoup dans mes vidéos parce qu'elle fait beaucoup de cadeaux. J'ai reçu un colis spécialement à la maternité, vraiment un dimanche en plus. Alors c'était un dimanche à la maternité, j'ai reçu un colis, vous y croyez ou pas? Avec le site Aquarelle, ce site-là, voilà, elle m'a envoyé donc un colis avec dedans un doudou pour bébé 2. Un doudou de chez Doudou et Compagnie, dans une petite boîte comme ça. Moi j'adore les doudous de chez Doudou et Compagnie. Et c'est un doudou porte-tétine, je crois. Non, peut-être pas. En tout cas, il est trop trop beau, donc j'ai hâte de l'ouvrir pour le mettre après dans le lit de Oran. Mais le voilà. Et avec ceci, il y avait une boîte avec des chocolats pour mince. Je vous montre ça. La boîte, elle est comme ceci. Et juste les chocolats. Bon, j'en ai mangé une partie, hein, je vous avoue. Hop. Voilà. Ma madame, elle va faire. Voilà à quoi ressemblaient les chocolats. C'était des sortes de petits rochers. Trop trop bons. Par ma copine Mélanie de la chaîne Happy Together 17. Elle est venue à la maternité deux fois et elle a offert un super cadeau naissance. D'ailleurs, c'est ça aussi, je trouve que c'est des super idées que moi j'aurais même pas eu. Donc c'est un attache testing comme ça, fait main, pas par elle, mais par une amie à elle. Donc si vous voulez le contact, n'hésitez pas à lui demander à elle parce que voilà. Ou j'essaierai de vous le donner, mais je suis pas sûre, sinon il faudra aller voir Mélanie. Mais voilà, c'est un attache testing comme ceci dans les couleurs bleu et gris avec des petites voitures. Et il y a écrit du coup Oran. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais vous avez écrit Oran comme ça dessus. Voilà, il est personnalisé, c'est trop trop bien. C'est une super idée aussi cadeau. Donc. Super mail, je suis super contente. Maintenant, je vais vous montrer plusieurs petits cadeaux qu'on a reçus par des amis différents. Donc, pour Oran, on a reçu toujours un petit bavoir comme ceci de chez Prémaman. Je crois que c'est Orchestra, voilà. Orchestra et un autre comme ceci. Ils sont trop, trop, trop mignons. Voilà, en bavoir, ils sont trop craquants. Des petites chaussettes comme ceci avec écrit beau comme papa derrière, en blanche et en bleu. On a reçu aussi des petit body en taille 6 mois. D'ailleurs, on a beaucoup reçu de 6 mois, c'est rigolo. Et là, il y en a 3, donc dans les teintes grises. Et 3 dans les teintes bleutées. Ils viennent de chez... Je crois que c'est Leclerc, la marque Tisaya. Tisaya, je sais pas comment ça se dit. Ensuite, on a reçu aussi des petits... comme des bavoirs, mais en version bandana un petit peu. Je crois... Alors, ils viennent de chez Zimane, ils sont trop, trop, trop mignons. On a reçu, ça c'est Virginie en fait qui a envoyé cela. Virginie, c'est une copine aussi qui suit beaucoup mes vidéos YouTube. Elle, alors ça, grosse pensée à Mélanie. Alors, elle m'a offert aussi, Virginie, un bavoir comme ça de chez Zimane. Vous savez, des bavoirs un peu qui s'enfilent par la tête. Trop, trop mignon. Et une petite tenue trop belle aussi, regardez-moi ça. Il va être trop beau là-dedans. Une petite combi short. En quelle taille d'ailleurs? Qui vient de Marc Spencer. Je crois qu'elle les a achetées à Londres en 3-6 mois. Donc ça va être parfait, parfait pour juin, juillet, août, ça. Oh, trop trop bien. Donc de chez Marc Spencer. Et de Londres, elle a ramené Virginie un super petit t-shirt. Parce que du coup, elle en a offert un à ma fille à son anniversaire. Et là, elle en a offert un pour aussi Oran de Londres. Donc c'est trop 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 bien. Virginie, encore merci. Oran a reçu aussi un autre petit doudou hoché, comme ceci, qui vient de je ne sais pas où, Max et Saxe. Ça, c'est trop bien, les petits hochets comme ça, pour les éveiller un petit peu. Et il a reçu un jeu déjà un petit jeu. Alors, est-ce qu'il y a une petite photo? Ah oui, là, voilà, un petit jeu comme ceci. C'est, vous savez, les petits trucs empilés, qui est trop trop chou. Ils disent donc à partir d'un mois. Ou d'un an, je sais pas trop. Un plus.
Mais il est trop trop mignon. Enfin, c'est une super idée ça aussi. Ça change des vêtements du coup. Regardez, je vous le montre. Il est super craquant d'ailleurs. C'est un petit chien avec 3-4 anneaux. Regardez, c'est trop mignon. Donc c'est trop mignon. C'est de la marque Hardwood Toy. Villac. Alors je connaissais pas du tout. Je sais pas si vous connaissez la marque Villac. Dites-moi tout ça en commentaire. D'ailleurs, s'il y a des marques que vous connaissez ou des choses que vous connaissez, n'hésitez pas. Et par la même personne, les mêmes personnes, il a reçu aussi un livre. Et ça, c'est trop une super idée. C'est un livre. On fait du bruit. Un livre à lire dans tous les sens de la marque Petit Nathan, enfin de l'édition Petit Nathan. Et c'est un livre, en fait, un livre qui se lit à l'endroit, mais aussi à l'envers. Du coup, c'est trop mignon et qui fait du bruit. Du coup. Enfin, c'est une super idée, je trouve, pour réveiller aussi les enfants. Donc voilà. Une super bonne idée cadeau. Et ça change des vêtements. Au frère, il a eu un autre doudou. Un petit doudou mouton. Ah, ça aussi, hop, direction le lavage. Et il va aller dans son lit. Bien sûr, sachez que dans son lit, quand il va dormir dedans, parce que pour l'instant il dort pas encore dans son lit, quand il va dormir dedans, j'enlèverai tous les doudous pour pas qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Ensuite, il a eu... Une petite combinaison short comme ça, un peu sport, de la part de la maman de Mélanie. Donc c'est trop trop mignon, en taille 6 mois aussi. Donc il est venu me voir à la maternité avec Mélanie, qui m'a fait une belle surprise. Et d'une amie, alors j'ai une amie qui lui a offert un petit bonnet fait main, en crochet je crois, ou en... Oui, en crochet je pense. Vous savez, l'espèce d'anneau là comme ça, où on fabrique nous-mêmes les petits bonnets. Donc bref, elle a fait son petit bonnet comme ça, donc voilà, je vais faire une petite photo et lui envoyer, mais voilà, il est trop mignon pour sortir, ça va être très très sympa, en laine, je vais le mettre là, hop. Et avec ceci, elle a acheté des petits chaussons en lapin, et dans les mêmes teintes, blanc et bleu clair, comme ça, petit lapinou. Alors je pense que ça va être pour maintenant, il n'y a pas de taille, mais là ça va être vraiment pour maintenant. Ah, c'est de la marque Doudou et compagnie. Oh, c'est mignon ça. Et est-ce qu'il y a une taille? Je crois pas. C'est de la marque Doudou et compagnie en tout cas. Ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Donc ça c'est parfait. Et comme vêtements, elle a reçu aussi des vêtements en mode pareil, un peu sport. En taille 9 mois. Donc ça va être pour l'automne prochain. Voilà, le pantalon de jogging et le petit haut bleu. Et je crois que ça vient de Kiabi, oui, parce que je l'ai vu à Kiabi. De Kiabi, voilà, le petit haut bleu un peu veste, un peu style velours. Donc ça pour octobre, novembre, ça va être très très bien. Très très chaud, donc ça va être très bien. Pour finir pour Oran, je crois que c'est tout. Après, il a reçu aussi une petite tenue comme ça qui vient de chez Monoprix, toujours de la marque Butchou. Et une petite combi short trop trop belle de la part de Mounia, une copine aussi à moi, qui a aussi un Instagram, donc je vous remettrai le nom. Si ça vous intéresse d'aller la suivre, elle fait plein de créations aussi elle-même. Là, elle a acheté, mais sinon elle fait pas mal de créations elle-même si ça vous intéresse. Et du coup, voilà, chez Monoprix, elle a trouvé cette petite combi qui est trop trop adorable, je trouve. Donc très très sympa. Moi, j'ai reçu aussi des petits cadeaux, alors je vais vous les montrer ici. Du thé comme ça, dans une boule à thé trop mignonne. De chez Lipton, au Forest Fruit. Donc ça, je connaissais pas du tout. Ma fille a reçu un paquet de petits chocolats. Plein plein de chocolats. Ah, faut retrouver hein. Encore des chocolats. J'ai reçu par une amie pour moi et mon mari des petits gâteaux comme ça, des petits sablés de chez Fauchon. Donc ouais, super super idée cadeau aussi. Même si on n'est pas forcément obligé de penser aux parents quand il y a une naissance, je trouve que c'est très très sympa. Il y a ma copine donc Clémence qui m'a fait le colis surprise quand elle est venue. Elle a fait aussi un cadeau pour les parents, donc c'est juste une dingue. Elle a offert une Wonderbox comme ça, I Love Paris, avec voilà, on choisit ce qu'on veut à l'intérieur comme petite idée. Et nous, on a déjà choisi, je pense, avec Doudou. Donc on verra si ça se confirme, mais en tout cas c'est une super super idée. Donc merci encore Clémence, parce que ça c'est je suis pas du tout assortie ça, mais c'est trop une bonne idée. Et avec ça, elle m'a acheté des petits pins comme ça que vous trouvez chez Ziman. Donc c'est pas une idée cadeau pour bébé hein, mais voilà, je voulais vous les montrer. Elle m'a gâté avec d'autres choses aussi en beauté. Et ma copine Virginie m'a aussi gâté de Londres en me ramenant du thé de la marque Pouka. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est juste super, une super idée. Moi, j'adore le thé, donc c'est super. Et la gourmande que je suis, elle m'a ramené même des M&M's au peanut butter, donc celles qui connaissent, au beurre de cacahuète. Et voilà les petits produits de beauté aussi que j'ai reçus pour moi. Bon, là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec bébé, mais c'est pour moi. J'ai reçu par ma copine Clémence un petit vernis ciaté comme ça, rose rouge un petit peu.
un liner Too Faced et un petit produit Embryolisse. Et puis par ma copine, du coup, Virginie, j'ai reçu un mascara comme ça de Londres, de la marque Max Factor, en noir, le Excess Volume. Donc voilà, des petits cadeaux pour maman, pour papa aussi, et surtout pour bébé. J'espère que cette vidéo vous aura donné des petites idées cadeaux pour les naissances. Comme je vous ai dit, la tache tétine, c'est une super idée. Tout comme, bien sûr, les vêtements, c'est toujours bien. Les bavoirs, c'est une super idée aussi. Et enfin voilà, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées cadeaux un peu différentes. Et voilà, j'ai hâte de lire vos petits commentaires en dessous la vidéo. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!